Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous présente le film The Adventures of Baron Munchausen. Donc ici, une édition Criterion, un film qui est sorti en 1988, ici en édition Blu-ray. Disponible depuis le 3 janvier 2023. C'est une comédie fantaisiste qui vient de la Grande-Bretagne. Donc, c'est en fait un étrange personnage qui surgit dans un théâtre où quelques acteurs cherchent à distraire justement les habitants d'une ville qui est assiégée par les Turcs. Mais justement, cet homme va prétendre être le baron lui-même en personne et se targue de pouvoir faire lever le siège s'il retrouve ses quatre anciens compagnons d'aventure. Donc ici, un film qui, à l'époque, n'a pas vraiment fonctionné pour son réalisateur Terry Gilliam. Donc le film n'a pas fonctionné au box-office en tant que tel, mais il a quand même eu quand même certaines nominations, notamment des 4 nominations aux Oscars pour meilleur effet visuel, meilleure direction artistique, meilleure création de costume et meilleur maquillage. Donc un film que je vais vous le déballer. Je vais prendre le temps de vous montrer l'intérieur du boîtier. Donc, un film ici restauré pour l'occasion de son édition Criterion. Voilà. À l'arrière, peu d'images, beaucoup d'informations. En fait, on retrouve ici, le film est en anglais 5.1, en couleur 126 minutes, en format panoramique 1 sur 85. Au niveau des suppléments, on a un commentaire audio qui met en vedette Gilliam et son co-scénariste Charles McKeow. On a également un documentaire, un genre de making-of sur le film. On a un nouvel essai vidéo du critique et cinéaste David Cairns sur l'histoire du personnage du baron. On a également des images en coulisses pour les effets spéciaux du film qui sont racontées par Gilliam. On a des scènes supprimées, commentées également par le réalisateur. On a un storyboard pour des scènes qui n'ont pas été filmées. On a aussi des supports, genre des supports promotionnels, genre bande-annonce, des affiches, également communiqués de presse qui sont disponibles. On a le court-métrage d'animation de Gilliam, Miracle of Flight, qui date de 1974. On a aussi un épisode de South Bank Show de 1991 concernant Gilliam. Et on a aussi un essai du critique et auteur Michael Koreski. Voilà. Pour compléter les suppléments. Donc, je vais prendre le temps de vous montrer l'intérieur. On va commencer par justement l'essai que je viens de vous mentionner. Donc, on a ici l'essai. Voilà. Ici, avec l'information, le texte. On a aussi l'information sur le cast. Quelques images aussi disponibles sur ce petit feuillet, cet essai. On retrouve en fait deux disques Blu-ray à l'intérieur. Voilà, le premier disque, c'est le film en tant que tel. Et le deuxième disque, si je vérifie, c'est marqué juste que Blu-ray 2. Donc, j'ai pas l'information. Je suppose que ça pourrait être les suppléments qui sont inclus dessus. Pour l'instant, il n'y a pas l'information. Et dans le fond du boîtier, on a une petite image. Donc, un genre de tapisserie, on pourrait dire. Ça a un lien, évidemment, avec le film. Je ne l'ai pas vu, d'ailleurs. Donc, je ne peux pas vous mentionner, mais j'ai certains collaborateurs sur mon site qui sont très intéressés à vous en parler davantage lorsqu'ils l'auront vu. Donc, si vous aimez les éditions Criterion, mais vous allez peut-être être intéressé justement à vous procurer The Adventures of Baron Munchausen. Donc, disponible en fait depuis le 3 janvier 2023. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Est-ce que vous avez l'intention de vous procurer cette nouvelle édition de ce film? Est-ce que vous connaissiez ce film-là? Est-ce que vous l'avez aimé? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!